Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous accueillir encore pour ce live du Phénomène Campus, un atelier ce soir graphique qui nous est proposé par Pierre Axel. Salut Pierre Axel. Salut, salut, comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Écoute, ça va, hein? Ça va, ça va. Bon, bah, tant mieux. On est très heureux de t'avoir pour ce Phénomène Campus. On rappelle peut-être, tu peux dire en un mot un petit peu ce que tu fais comme étude et quelles sont tes spécialités? Ouais, alors moi je suis dans des études de direction artistique à Lyon, à Sup de Pub, et à côté de ça, je suis freelance spécialisé dans la réalisation, on va dire, d'identité visuelle et dans le sport aussi. Et à côté, je suis photographe. Bon, voilà, en bref. C'est top. En tout cas, on est très heureux de t'avoir sur ce live. On rappelle que toutes les personnes qui souhaitent participer pendant la visio, t'interpeller, te poser des questions, te proposer des pistes un peu graphiques parce que vous pouvez contribuer en direct, vous pouvez vous connecter sur le lien en visio que l'équipe de la com vous met en ce moment même en direct sur la plupart des réseaux sociaux. Vous pouvez vous y connecter et sinon vous retrouvez le replay de l'atelier à l'issue du live sur notre site www.campus.phnmn.fr. Bah écoute, je te laisse la main. Et bah parfait. Et puis on est parti pour une cinquantaine de minutes avec toi. Et bah top, 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 merci. Ok, et bah écoutez, bonsoir à tous si vous êtes présents. Du coup, ce soir, je vais vous présenter un petit truc que j'ai déjà fait sur ma chaîne Twitch. Ta qualité vidéo. Alors là. Ouais, c'est du live. Sur tes paramètres stream en direct, c'est du live. Donc, t'as une normalement, petite, raw settings, ça devrait être mieux là. 1080. Ça ouais. Devrait être mieux là. C'est peut-être un peu mieux, ouais. Ok, ok. Bon, bah parfait. Du coup, ce que je disais, c'est que pour le petit background check, ça fait 6 mois que je suis sur Twitch maintenant et que du coup, je fais des streams créatifs. Et le but, c'était un peu de reprendre ce qu'on a déjà fait dans certains épisodes où je faisais de la refonte de logo, où je créais justement des identités fictives comme j'ai pu le faire avec la Formule 1 ou encore... j'ai créé une écurie fictive de NFL, pardon. Et donc, l'objectif, c'était de prendre... on va pas faire un truc maxi pro ce soir, mais c'était l'idée de reprendre ce logo-là, qui est l'ancien logo de l'équipe que je supporte actuellement. Et du coup, on va essayer de potentiellement d'en faire quelque chose. Peut-être que ça ne donnera rien, mais l'idée, au moins, c'est de tester. Donc, on va faire des petites recherches et puis voilà. Donc ça peut être sympa. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou en vocal, je crois. Vous pouvez vous connecter en vocal si je me trompe pas. Ouais, exactement. N'hésitez pas à vous connecter sur la vision. On vous met le lien dans le chat. Et bah parfait, parfait, parfait. Et bah je vais commencer du coup. Hein. Alors, hop. Bon, pas de pression. J'ai pas l'intention de leur envoyer le logo. Hein. C'est vraiment juste pour le kiff. On va récupérer ce petit elfe et voir ce qui est faisable. On va taper. Hop, elfe. Ça ressemble à quoi un elfe? Pas trop moche. Alors. Ah, ça a bugué mon écran visible. Comment est-ce que si je mets... Je crois que c'est Elk. Non, je sais plus comment dire en anglais. Ed. Oula, le clavier qui est pas bien mis. Hop, normalement ça devrait être mieux. En fait, il me faut juste une base potentiellement. Oh, ça peut être lourd de faire un truc genre partir de ça. Ah, ça peut être stylé de partir d'un truc 3D, j'avais pas pensé pour le coup. Je vais voir ce que ça donne. Je pense du coup on va juste travailler peut-être sur la tête. Et sur la tête, du coup, il a des cheveux. Si je suis pas sur le bon calque, ça va pas le faire. Sur la tête, il a des cheveux. Genre à peu près à ce niveau-là, comme ça. Ah, on va passer derrière. Et il a surtout un chapeau à pic. On va mettre chapeau à pic.
sais pas comment ils peuvent appeler ça, mais et puis voilà, on va voir ce qui peut être fait. J'aime bien les trucs, les oreilles comme ça. Oula, mais je suis en train de me rendre compte de l'erreur que je suis en train de faire là. Ça se fait pas faire Photoshop un logo. Qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais? Du coup, on va reprendre l'image qui est là. Attends, on va déjà en faire un petit croquis peut-être d'abord là-dessus. C'est quel calque ça? Ça, c'est mon texte. Et ça, c'est le modèle. Et là, croquis, on va mettre. Ok. Je pense qu'on va couper comme ça. On verra ce que ça donne. Pourquoi c'est comme ça, hein? Pas sûr. Oula. Pas sûr qu'on ait besoin de lui faire une petite barbiche. Je doute de ça. Ça va envoyer du bois. On va essayer. Hein. Là pour le moment, je vais juste faire la base. Sur l'ancien, il a un tout petit nez quand même. Hein. Il a des sourcils ou pas sur l'ancien? Ouais. Je pense que ça pourrait être cool potentiellement de les. Non, mais ils sont ultra agressifs là en fait. Comment je peux faire des sourcils? Sachant que je suis pas dessinateur. Hein. Là, je pense que ça pourrait potentiellement. Ouais. On va faire comme ça. Et là, il faudrait que les yeux, je pense. Soit. Sachant qu'on veut. Un truc avec le moins de détails possible pour que ça fasse vraiment logo réel quoi. Genre là, on s'en fout de ce genre de détails quoi. Et sa bouche, elle est quand même, il y a un petit sourire un peu. Non, ça c'est vraiment une barbe. Comment il peut. Quelle bouche il pourrait avoir? Il a un petit sourire en fait. Oh! C'était pas voulu, mais ça peut faire un truc stylé. Et du coup, pour sa tête. Il fait un truc comme ça. Ouais, mais ça, il fait ultra diabolique en fait. Ah, ça peut être sympa. Bon, on va partir de l'idée originale, hein, mais. On va bien voir ce que ça donne. Ouais, il a une conjonctivite là par contre. Ok, j'ai fait. Voilà. Ah, c'est mieux. C'est mieux ou pas? Je suis pas réellement sûr, mais. Ok. Un chapeau pointu, c'est quoi? Comment ça se fait un chapeau pointu? C'est pas mal. Ouais, ça pourrait être. On verra bien si ça fonctionne, mais là pour le moment. Hein... Là on est à l'idée, à l'état de croquis. Là. Pour l'instant, ça ressemble un peu à Jean Castex, mais avec les oreilles pointues. Putain, mais comment on peut faire un chapeau pointu, mais pas qu'il fasse chapeau de Noël, quoi, parce qu'ils ont tous. Parce que je crois pas que sur le logo original, il y ait le. Il n'y a pas ce vieux truc. Non, c'est vraiment tout orange, quoi. Alors, un petit truc comme ça, ça pourrait être stylé, peut-être. Si je fais ça, ça va être très diable. Du coup, on va éviter. Ok, là, j'ai ma base, je pense. Hop.
peut être stylé, vrai de vrai. Est-ce que je lui fais un... Ah non, ça va être trop. Ça va être trop. Par contre, c'est pas mal ça. Et si du coup, je les ai un peu plus curvy. Ouais, je sais pas. Les browns, c'est quand même bien orange. Ok, maintenant il faut y ajouter des courbes. Allez, on va aller voir ce qui se fait dans les logos de sport. Parce qu'il y a toujours un jeu avec les ombres et tout que je maîtrise pas encore, mais. Ouais, c'est plus une tête comme ça. Ah, mais non, mais d'accord. Là, il y a un casque. Ça m'aide pas grandement. Ah, ça peut être sympa, ça. Ce petit principe-là. Ah, yes. Je sais pas si ça peut être cool. On va voir. Hein. Ok. Ouais, je pense qu'on va faire ça comme ça. Comme ça, elle sera plus claire, la partie là. Sachant qu'il y aura du coup un contour. Un petit truc genre comme ça, je pense. Ça peut être cool en vrai. Cool, ce lit chinois. Ah, ça peut être très sympa. Par contre, il faut que j'y trouve. Dans l'oreille, il y a toujours un petit. Ouais, c'était ça. Ok, c'est ce que je pensais. Je me demande si c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse plutôt. Là, comme ça, ce serait un peu plus noir. Oui, il est gris ou pas l'autre? Ah, il est clairement blanc l'autre, par contre, en fait. Il est clairement blanc, mais on va pas récupérer le blanc. Par contre, le orange, il m'intéresse pas mal. Ok. Il a un petit fil, mais ça sera trop compliqué là. Putain, c'est compliqué. Comment je pourrais faire ça bien? J'aimais bien aussi les. Déjà, je vais voir avec ma forme de base et puis on verra bien. Alors. Voyons voir. Ish. Alors. On va bloquer ça par contre. On va lui mettre un petit trait rouge pour commencer. Alors, on a dit notre début c'était ça. Ouais, il faut des lignes quand même plus droites. Il y a trop de courbes là quand même. Du coup, ça va un peu ressembler à ce que tu avais déjà fait pour le BDS. Nope. D'ailleurs, c'est
Non? Non, c'est Chloé en plus qui avait fait le logo du BDS pour le coup. Ah, attends, le logo Alpha ou les têtes? Le mat BDS avec le requin. Ah oui, c'est l'inspiration, ouais. Ok, je vois. En violet, là. ouais, j'avais pas compris, sorry. Comment je peux faire? Si ça se trouve, ça va être immonde. Et ils vont regretter de m'avoir invité. En fait, le but, c'est de faire le moins de cours possible. Mais là, il y en a déjà quand même pas mal. Hop. C'est vrai qu'il a des gros sourcils quand même. Je veux juste voir à quoi elle ressemble ma forme de base en fait. Parce que ça se trouve, je vais juste arrondir tout. En fait, je suis un bolos. Comment je peux récupérer mes formes pour les arrondir tout en même temps? Voilà. C'est quand même mieux. Oula, ça va pas ce point-là par contre. Ça va pas ça. Déjà, la forme peut être stylée en elle-même. Après, à voir ce qui peut être fait. Il est bloqué là, donc forcément il va rien se passer. Propriété, on va le mettre en faible opacité. On va faire comme ça. En fait, pourquoi je m'embête à faire des traits droits alors que non, il y a des courbes. Bon, c'est quoi? Ça ne me va pas. Ça ne me va pas, ces traits-là. On va le simplifier au max. Ok, donc là... Ah ouais, là c'est mieux ce genre de truc. Par contre, en fait, pourquoi c'est pas le même trait? C'est chiant ça. C'est marrant, 2 minutes. C'est rigolo, 2 minutes. Mais non, j'ai besoin que ça soit le même trait en fait. Bon, on va refaire. Parfait. Il faut vraiment qu'il y ait une petite coupure là comme ça, nickel. Hop. Ah mais d'ailleurs, pourquoi il y a mon autre point? J'aimerais bien reprendre ce tracé là si possible. Parfait. Est-ce que ça pourrait pas faire un truc stylé? Je pense que son nez est pas assez prononcé en fait. Ouais, je pense que c'est mieux quand même. On va faire comme ça. Pas
pas moyen de le foutre là, par contre. Bon, déjà, on va faire nos formes. On verra si ça passe après. Ça peut peut-être être sympa si on lui fait un petit truc genre pas uniforme. Genre comme as. Plus marqué, je pense. Ouais, comme ça. Voilà. Et du coup, la forme de base, ça ferait un truc comme ça, c'est potentiellement mieux. Est-ce que c'est vraiment mieux? Je sais pas. On retravaillera tout après. Là, de toute façon, c'est toujours de la recherche. J'ai commencé à le faire sur Illustrator, j'aurais vraiment dû. Essaye. Et si je lui fais un petit œil comme ça. Ça marche pas par contre si ça déplace mon croquis à chaque fois. Il est un peu big hein, mon elfe là. Ah, mais il a aussi une oreille en fait que j'ai oublié. Problème d'anatomie là. Attendez, plutôt que de repasser sur Photoshop ou sur Illustrator, on va quand même essayer un minimum de comprendre ce fichu truc parce que là, je me suis engagé dans un truc alors que je ne maîtrise pas l'anatomie. Parce que potentiellement, il fallait que je lui fasse aussi des cheveux là en fait. Bon, au final, je pense qu'il n'y aura qu'un croquis à la fin. Est-ce que c'est grave? Je ne sais pas. Rien n'est grave. Ah, parfait. Parfait, parce qu'il y a des petits cheveux comme ça, là. C'est vrai qu'il nous reste déjà plus que 30 minutes, donc de toute façon, on n'aura pas matière à faire. Ouais, sachant que c'est un truc qui prend peut-être 8 à 9 heures normalement à faire, mais je me suis... Je sais pas, je me suis dit peut-être que je suis un surhomme. Avec des petits cheveux comme ça, là. N'hésitez pas à faire vos critiques dans le chat, hein, à dire c'est génial ou à dire c'est pourri. Ou à dire que c'est hideux. Non, soyez sympa, mais par contre, n'hésitez pas à commenter. En plus, on affiche vos commentaires. Donc, si vous avez une blague un peu marrante, n'hésitez pas. Oh, ça aurait pu être stylé avec ce petit truc-là. Qu'est-ce qui a fait qu'il était plus stylé là-dessus? Non, là-dessus, ça ne ressemble vraiment à rien. On va essayer de faire au moins un croquis propre, tiens. J'aurais décalé un petit peu ses cheveux plus au centre de son front, peut-être. Comment ça, là Ouais.
Tu veux plus vu qu'il a un peu la tête tournée. Mais. C'est pas faux. Ah yes, en plus je suis un bolos. C'est la tête d'Emmanuel Macron quand il va annoncer un quatrième confinement. Fort probable, ouais. Une saison 4. Pourquoi j'ai pas écouté mes cours de dessin, moi? Alors Clem, tu m'as dit les cheveux peut-être plus là, cette zone, ça? Ouais, un peu plus devant, vu qu'il a un peu le... Bah, au milieu, ouais. Au milieu de ses sourcils, quoi. Oui, en fait, c'est vraiment logique, même. Comment je peux lui faire une petite mèche qui dépasse? La petite houppette comme Tintin. Camasse, là. Oh, c'est silencieux, ouais. Petit à petit, on y arrive. Putain, vrai de vrai. T'imagines si j'avais rendu ça à Belon SP1? Ouais, ça aurait fait comme Martin, quoi. Non, mais pas ce croquis, là. Mais un truc qui part de là, parce que le logo que j'avais refait, en vrai, il était simple, tu vois. Le logo que j'avais refait, c'était ça, quoi, un truc comme ça, hop, Clive. Oui, c'était un type truc typo, ouais. Ouais, j'avais oublié, il n'y avait pas de E, et c'était, je crois, un truc comme ça, là, avec le ballon, là. C'était cool, tu vois, mais t'imagines si j'avais rendu ça, avec mes 157 mock-up. Il a peut-être les sourcils un peu fat quand même. Hein. Je pense que sa tête est pas assez... Sa bouche est trop... Bon, ça part en joker là en fait, mais bon. On va regarder celui-là. C'est pas mal ça. Ou alors il n'y a que moi qui trouve que c'est pas mal, mais en vrai, ouais, mais ça fait très. S'il n'y a rien dans cette partie-là, ça va pas. Il n'y a rien, il n'y a rien. V comme fille. Il faut lui mettre un petit trait en dessous de la bouche, non? Avant le menton. Là, là? Le logo de base. Ah, comme ça, tu penses? Ça donnerait un petit truc en vue. Mais en fait, le truc qu'il faut que vraiment que j'apprenne à faire, c'est à jouer sur les ombres, parce que en gros, si tu regardes bien, sans les ombres, c'est un logo qui est violet, là, tu vois, typiquement. C'est juste un aplat de couleur violet. Mais j'ai jamais, vu que j'ai jamais écouté mes cours de dessin, où mettre les ombres. Je les mets avec des valeurs de gris sur Photoshop, mais bon. Comme ça, là. C'est bien là. Alors, potentiellement, il est comme ça. Donc ça veut dire que là, hop, on va réduire un peu le brush. Allez, on se remet s'il te plaît. Non, ça va pas ça. Par contre, ce principe-là est pas inintéressant. J'aime bien ça. Là, il pourrait y avoir une bouche un peu colorée. Ça ferait très mâchoire. Mais ça peut être intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres ombres potentiellement? Pourquoi on dirait qu'il est sous oxygène là? Là, il est sous oxygène. Non, en vrai, ça serait stylé. Bel hommage au Markovid. Je ne m'aventurerai pas sur des blagues de ce style. Je me permettrai pas. Parce
que là, en vrai, si c'était orange en dessous. Ah, ça peut être stylé en vrai, hein. Il me reste combien de temps? On a dit 20 minutes. Ouais, 25 minutes. Ouais, bon, bah. Ça sera un beau gros kick, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir le travail, comment tu procèdes, le temps que ça prend aussi, hein, pour faire comprendre aux gens que c'est un vrai boulot dense et complexe, ah là, à la fois dans la dimension créative et à la fois dans la dimension fastidieuse, comme tu es en train de me le montrer. Donc, c'est très intéressant. Bah, écoute, tant mieux, parce que c'est vrai que là, je suis loin d'avoir fini, là. Ça permet de comprendre qu'un logo, ça se fait pas sur un coin de table en mode ah ouais, c'était 5 minutes, ça me fait un logo. C'est le combat de ma vie. Quand j'essaye de faire comprendre à des clients que quand je dois leur refaire une refonte de flyer ou autre comme ça, ça se fait pas en 2 secondes, quoi. Pourquoi j'ai l'impression d'être en faible obésité? Ah, mais je suis à 60 en flux, ok. Potentiellement, ça pourrait être. Il pourrait y avoir une autre couleur là, peut-être. Non. Ça fait un petit chapeau en flamme, mais sinon ça marche. Ouais, je sais, je l'ai fait. En fait, je me suis dit que ça pouvait être stylé, tu vois. Mais par contre, c'est trop chiant, c'est que le logo, il est blanc de base. Et du coup, ça contraste bien avec le orange, mais. Après, est-ce que... Oh, I have an ID. Si je fais tout ça, j'ai tenté un truc. Ça va peut-être être très moche. C'est pas grave. C'est l'huile calque, on va mettre du noir pur. Je vais tenter un truc. Je crois que je l'ai fait sur mauvais calque. Ah, oh, quel bolos. Ah non. Non, c'est pas celui-là, croquis. C'est lui. En vrai de vrai. Ah, là, c'est le mauvais calque, par contre. Je me dis que avec une tête noire et genre des contours blancs, ça peut être grave stylé. Par contre, pourquoi? Ah d'accord, c'est ça. C'est vrai que ça peut être très lourd. Et du coup, je joue avec des nuances de gris. Mais du coup, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que plus ça sera blanc, plus ça sera foncé dans les ombres. Non, 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 c'est juste que je veux que ça soit... Enfin, je veux pas faire vraiment l'inverse, c'est juste que je veux... Enfin, je veux reprendre le principe, quoi. C'est juste qu'il y aura plus de noir et que ça sera vraiment gris et blanc, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Le principe reste fondamentalement le même, quoi. J'avais oublié à quel point c'était fastidieux de faire ça. Et sachant que là, c'est que la phase de croquis. Non, il me faut genre 3-4 heures pour faire un vrai croquis qui passe. Mais je voulais montrer en fait pendant l'atelier le travail qu'il y a avant, quoi. C'était ça le but. Et si du coup en dessous je fais du gris par exemple? Par exemple. Ah, bah, je suis pas sur le bon truc. Voilà.
Ah, faut pas que j'oublie que ses cheveux sont censés être marron à la base. Ses oreilles sont comme ça. Oh, ça manque terriblement d'ombre. Parce que là, on a fait du noir. Je vais tenter un truc. Je sais que ça va être immonde. Au moins, je l'aurais tenté. C'est trop réaliste, ça va pas en fait. Enfin, c'est trop réaliste. C'est un grand mot, ça. En fait, j'aime bien le principe du contour noir. Est-ce que tu peux pas lisser les parties blanches et grises? Ou alors il faut que ce soit une démarcation. C'est-à-dire? Bah que ça se... je sais pas, avec l'outil doigt ou un truc comme ça, enfin je vais pas utiliser cette fonctionnalité, mais tu parles de quelle partie, ça là? Ouais, pour que je la lisse entre les deux, mais ça fera moins logo de... Ah bah ouais, justement le but c'est que les gros c'est que, mais il faut vraiment que j'apprenne à faire ça, tu vois, quand à chaque fois genre t'as trois couleurs max. Merde, j'ai perdu mon exemple là, tu vois, t'as des toutes petites ombres et tout. Ah, mais déjà, c'est vrai que normalement, quand t'as ça, là t'as des ombres aussi. On va reprendre le noir. Genre là, tu sais, t'as des. Potentiellement, il y a un truc qui fait que comme ça, là, tu vois. Sans le test, vraiment, ça ne sert à rien. Trois contours sur les yeux, là. Ouais, on dirait juste qu'il a des cernes pour le moment. Je sais. T'as pu mettre une petite pointe à l'extérieur. Non, ça fait... Ouais, non plus. Ça fait un peu Spider-Man quand même. C'est vrai. Attends. Spider-Man ou eyeliner, c'est comme on veut. Je m'avoue pas vaincu. C'est peut-être l'inverse qu'il fallait faire, je crois. Genre là, du orange. Oh, on dirait, moi, j'ai des spaghettis assez immondes. Après, tu peux pousser le truc encore plus loin et faire comme une flamme qui sort des yeux, mais... Comme ça, là. Le principe du bonnet. On a un vrai truc, mais oui. Qui suit bien. En fait le contour des yeux. Ouais. Tout en orange. Genre tu peux reprendre un peu comme sur ton bonnet où ça fait un peu plus lisse.
Écoute, Clément, déjà, je ne maîtrise pas l'anatomie. Là, tu me demandes de maîtriser les éléments. Je propose des trucs. Les vaches, ils sont marrons. D'ailleurs, le marron n'existe pas. Voilà. C'est dit. C'est juste un orange foncé. Je n'ai pas peur de dire les choses qui fâchent. C'est un vrai de vrai avec plus de temps. Ça peut limite donner un tristier. Hein. Je suis en train de regarder le retour caméra, mais qu'est-ce que je fais? Mon Dieu! Je pourrais pas vivre en un chien ou autre comme tout le monde. Ouais, après là, tu t'aventures vraiment dans l'illustration et c'est pas. C'est pas normalement trop ton domaine. En 20 minutes de stream, ma création m'a autant fatigué qu'après 4 heures de stream. Tellement c'est moche. J'aurais dû faire de la review de portfolio. Je me serais pas mis dans la galère. Et si... Non, mais il faut sortir de sa zone de confort, des fois. Ouais, bah là... Bon. Et vrai de vrai, il y a un truc, hein. Bon, c'est pas du Picasso, mais il y a un truc, hein. Bah, tant qu'on garde à l'idée que c'est un croquis, oui. Oui, oui. Faut voir fini, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Comme on dit. Ouais, voilà, je me dis qu'avec un peu de retravail et tout, genre là, tu vois, tu peux mettre le orange là comme ça, qui remonte là. Ah, quoique, je me suis chauffé là. Non, le noir plutôt, pardon. Le noir qui est coupe, comme ça il y a le nez qui... Ah, ça je peux me mettre sur Photoshop. Écoutez, si vous pensez pas qu'il y a un truc, moi je pense qu'il y a un truc quand même. Par contre, c'est peut-être plus sur le noir, du coup, je pense qu'il faut jouer plutôt que le orange foncé. Bah, le noir, ça va faire comme s'il y avait un prou, non? Ça va être. Bon, écoute, on va tester. Hein. On va tester. De toute façon. Ah merde, j'allais dire un truc, mais t'allais pas avoir la ref. Comme dirait Lionel, de toute façon, je suis orgueilleux. Donc, que ce soit mouche ou pas. Ah ouais, c'est immonde. Hein. Oh, en vrai. Attends, parce que regarde. Regarde, si je fais un truc par-dessus en gris, comme ça, genre, tu sais, qui fait bien la démarcation sur les cheveux.
Et du coup, là, tous les contours, on les met en tout blanc. Je vais mettre un calque tout au-dessus, Pierre-Axel, si tu veux que ça marche. C'est beaucoup trop gros. Oula, j'ai... Oula, mais j'étais pas sûr. Ah oui, c'est un gros calque, ça, en fait. Faire un peu plus gros, quand même. Est-ce que ça peut être stylé Je suis pas sûr, hein, le blanc. J'ai proposé de mettre des quatre. Ouais, non, ça va être trop. Dis-moi. Les quatre traits du ballon de football américain sur le bonnet. Mais comme ça, là. Voilà. Ça faisait un dessin en plus. Ouais, ça fait peut-être bizarre avec les quatre en... Oh, en vrai attends, mais si je m'en inspire pour faire des petits traits genre comme As, ça peut faire ses coutures à lui pour son bonnet. Ouais, après à voir comment tu veux. Je sais pas. Ou alors sur le côté, là où il y a ses cheveux, un petit peu plus à gauche, tu peux mettre... Ou alors même à la rebord entre le front et le bonnet, ça fera un petit côté... Là ? Non, à gauche. Ah, là, là ? Ouais, voilà. Ah, pas bête. Ça peut faire des... Juste, ça peut faire un bonnet qui est un peu utilisé, un peu usé. C'est pas bête. Je fais un petit carré, enfin un petit triangle et ça fait un petit bonnet usé. Attends. Je veux juste voir si ma forme fonctionne réellement. On saura pas. Ah ok, parfait. J'ai faim. Faire mon blanc comme ça et ensuite j'irai rayer les trucs. Ah, mais à si peu de temps. Après, franchement, tu réussis quand même à sortir quelque chose. C'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. Ça fait, c'est marrant parce que ça fait visuel un peu. Moi, ça me fait penser un peu aux jeux vidéo, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, ça peut me faire penser à un truc de jeu vidéo. Non, mais graphiquement, c'est intéressant. C'est intéressant.
Ouais, c'est pas acheté quoi. Je vais même l'enregistrer, tiens, parce que je l'ai pas enregistré une seule fois. Hop. Je fais les bonnes d'habitude. Ouais, ouais, t'inquiète. Brown, Plow, Elfie. Allez. Oh, j'ai si faim. Ouais, je crois qu'on pourra pas faire mieux hein, si peu de temps. Ah si, par contre, en fait, le noir, c'était clairement le bon bail à faire. En fait, du coup, je sais pas pourquoi. C'est le calque. Oh! Damn! C'était pas voulu, mais encore une fois. Du coup, ça lui fait une petite barbe. Ouais, c'est pour ça, en fait, je suis en train d'essayer de chercher dans quel calque j'ai foutu cette barbe. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait ? Non ! Bon, merde, je sais pas. Ah, mais je peux juste faire ça, en fait. Parce qu'en vrai, de vrai, le... truc noir et stylé. C'est sur quoi ça? Bon, tant pis, on va faire ça. Tu peux pas faire contrôle et cliquer sur sur le calque? Si, mais je sais pas pourquoi ça a pas marché. Bizarre. Bon, et ben je pense qu'on fera pas pire. Ça fait vraiment une barbe, mais immonde. Il suffit vraiment que je rajoute juste ça là. Non, c'est dans le sens, je crois. Et puis cette partie, hein. Bon, et ben en vrai, c'est bien le petit, les petits quatre bandes là, c'est stylé. Juste là. Il fait un peu peur. Salut Jess. Salut Péa. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ouais, ouais, ça va. Hein. C'est vrai que, bon, quand tu regardes le truc de base... Ce truc est hideux à la base, hein, faut le dire, mais... Ouais, sachant que mon modèle, c'est ça, quoi. Ouais, non, j'avais vu. Après, c'est sympa. Hein. Enfin, en une heure de taf, franchement, ça donne quelque chose de pas mal, quand même. Ouais, je pense, en vrai, avec plus de travail, et moi, ça peut être lourd. Par contre, la barbe, pourquoi t'as fait une barbe ? C'est pas censé être une barbe, en fait. C'est quoi ? En fait, les logos genre de sport et tout américains, ils ont toujours des ombres genre ultra démarquées. Et je voulais faire ça, sauf que eh ben, ça fait clairement une barbe. Parce que là, sinon, ça fait juste aplat de couleurs et c'est pas beau. Ouais, c'est vrai. Il a un sacré monosourcilus aussi. Hein. Ouais, mais c'est parce qu'il a du caractère. Ouais, c'est ça. Putain, comment je peux faire ça bien? Ouais, bon, déjà, ça me fait un petit croquis sympa. Oui. On va mettre fait en une heure. Comment ça s'écrit phénomène déjà? P-H-N-M-N. Ouais. J'ai pas assez de... Voilà. Parfait. Incroyable. Incroyable. Ouais. Tu sais que ça tombe bien, Pierre-Axel, parce que juste après, on a un atelier avec le BDA Bizarre là, qui va sur l'art et l'entrepreneuriat, qui va peut-être nous expliquer comment on va pouvoir réussir à vendre le truc que tu viens de faire. parce que c'est un vrai défi quand même. Mais en tout cas, c'était fort, fort utile de nous montrer comment on s'y prenait pour au moins avoir des pistes, parce que là, je pense que c'était plutôt sur le travail préliminaire. Ah oui, là, en vrai de vrai, pour un client, je passerais peut-être 2-3 jours. Voilà, le dernier client que j'ai fait avant de lui proposer le moindre V1, il y a 4-5 jours de travail derrière, quoi. Ouais, bah voilà.
Donc, mais effectivement, déjà pour tous ceux qui nous regardent, c'est bien parce que ça permet de prendre conscience que c'est un travail extrêmement fastidieux, ce qu'on oublie très souvent, et qu'il faut avoir pas mal de cordes à son arc. Donc, merci de nous avoir fait cette démonstration. Bah avec plaisir, en tout cas, merci de l'invitation. Et puis, moi, je vais montrer un peu ma bouille, mais dans quelques instants, on va avoir le BDA Bizarre qui va animer un atelier sur art et entrepreneuriat. On sera diffusé sur la page Facebook d'AnimaFac aussi, tout de suite, ça va nous occuper une petite heure. Je ne sais pas si tu veux dire un petit mot pour conclure. Bah écoutez, merci d'avoir suivi. Ne jugez pas trop, parce que voilà, c'est les croquis préliminaires, mais voilà, et n'hésitez pas à aller suivre les créatifs en direct sur Twitch et la Graphique TV. Voilà, c'est le petit plug, mais en tout cas, voilà. Merci Pierre. Merci à vous deux. Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des animations du Phénomène Campus avec le BDA Bizarre. Merci encore à Pierre Axel. À tout de suite.